toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Hospital. On est toujours sur le chapitre 2 et pour l'instant c'est plutôt calme. On améliore notre hôpital, on travaille tranquillement. Ah tu vois, moi aussi j'étais juste en train d'en parler. Pour l'instant ça va. On a commencé avec des ressources assez élevées, donc j'ai pu lancer quelques constructions. Tiens, il y a un train qui est garé là. Mais pour l'instant ça va. C'est assez différent du chapitre 1 étrangement, enfin étrangement non, mais il y a des événements différents, le concept est différent, c'est surtout le train qui nous apporte des blessés pour le moment. Et il y a peu d'attaques d'Allemands parce que la ligne de front c'est plutôt la bataille d'Amiens. Donc les Allemands nous lâchent un petit peu la grappe. Et salut Gelden, bienvenue sur le live également, j'espère que tu vas bien. Ok, on va envoyer un petit peu plus de puissance. Mais je suis sûr que là, c'est la phase un petit peu tranquille et qu'à un moment, ça va partir en couille. Tu es frustré par Terra Invicta. Ah, par ta série ou par le commentaire du viewer certes complet, mais à la fois tout aussi dense. Par la série. Ah bah écoute, si ça se passe pas bien, des fois, faut savoir dire que ça se passe pas bien. Hein. Malheureusement. Ok, eux ils sont arrivés. En suivant les traces de pneus, l'escouade d'éclaireurs finit par tomber sur une sorte de campement allemand. Une dizaine de soldats, deux camions et deux tentes. Le commandant sait qu'il ne doit s'agir que d'une partie du convoi qu'ils poursuivent. Si peu de soldats et de camions n'auraient pas pu laisser autant de traces. L'observation du campement révèle rapidement que c'est en raison d'un problème technique avec les camions qu'ils sont à la traîne. Alors, lancer un assaut de front, ça me semble tendu. On peut essayer de s'infiltrer. On attend... Ah oui, d'accord, on attend, attend qu'il fasse nuit, du coup. Très bien. Alors, du coup, tac-tac. On me dit... Zomo 6... Si c'est cool au début, le chapitre 1 était pas si simple, ça promet pour la suite. Ouais, bah le chapitre 1, il y avait une phase un peu au début d'apprentissage aussi, et d'un coup ça partait en sucette. Là, je pense que ça va être un peu la même. Gaëlen, tu dis, t'arrives pas à gérer les combats spatiaux, du coup. Les combats spatiaux, le modèle physique, t'arrives pas à le gérer correctement. Ah oui, c'est clair que ça change un peu du grande stratégie pure comme il y aurait sur un EU4, quoi. On est d'accord. Alors, toi, tu peux te lever et aller traiter lui. Ah ouais, lui, risque d'échec élevé. On va le mettre dans les mains de notre notre meilleur médecin. On va se permettre de claquer 9 médicaments pour essayer de le sauver. C'est juste que tes vaisseaux ne vont pas dans le sens de la pointe comme dans tout Star Wars qui se respecte. Ah, la vie est dure. Bon, encore 6 jours avant la fin du tunnel. Alors, parfait, la jambe du patient est infectée. Alors une fois de plus on peut l'amputer, on a déjà claqué deux trucs dessus, mais on diminue les risques, mais c'était une opération qui était très très compliquée déjà. Donc on va l'amputer une fois n'est pas coutume. Mais en vrai c'est comme ça que ça se passe, donc tu peux même pas dire que c'est mal fichu. Ah tu veux dire que c'est pas genre comme sur mer, t'as de l'eau, t'as du vent, et puis ça s'ouvre dans un sens et du coup tu suis le vent. Dans l'espace, ça se passe pas comme ça. Allez, bossez les gars. Oula. Il y a eu un petit lag. Qu'est-ce qui s'est passé pour un petit lag comme ça? Je ne sais pas. Ah, c'est le train de blessés qui arrive, très bien. C'est pour ça. Bon, on va avoir du taf.
J'espère que vous êtes bien reposés, les gars. Ok, on en a un là, déjà on va l'envoyer. Et ici, c'est un mec stable, opération fatigante. On va te le mettre à toi. Bah, en plus, ouais, Gaelden, si s'il y a toute la notion de poussée, d'inertie, genre quand tu tournes, bah tu continues de glisser en avant parce que ton vaisseau il tourne pas comme ça, quoi. Ça rajoute toujours de la difficulté. Hein. Alors, on va commencer à être tendu là. Et là, on en a un deuxième stable. 9 heures d'opération. Bah ouais, du coup effectivement c'est plus logique, ouais. Gaelden, effectivement. Mais logique, ça veut clairement pas dire facile, hein. D'accord. Ok, notre centre de rééducation est terminé. Donc on va pouvoir affecter les ingénieurs ici. Pour bosser sur l'ingénierie. Alors toi, la blessure du patient était étonnamment propre. Opération plus rapide et réduction du coût. Ça me va. On remonte à 43, là on est bien. On a 900 de matériaux. Donc il nous faudrait un petit peu de l'aide de change si possible. Toi tu ferais bien de nous en donner un peu. Hop. Et au passage il y a un nouvel épisode à Up. Bah écoute, parfait. Ça fera vendredi prochain si je ne m'abuse. Toujours pas en train de soigner le VIP là. Oh, encore un à 12h quoi. Va falloir faire quelque chose, hein. Ok, là on a une opération fatigante avec des risques d'échec élevés. On va le mettre dans les mains de celui-là. Ça c'est un peu plus simple, donc go. Je peux encore me battre. Alors avec 900 il y avait un truc à faire, je crois que c'était le truc de repos du personnel qui coûte 900 là. Presque ça vaut le coup, on n'est pas trop dans le jus. Je ferais bien les brancardiers. Ouais, j'aimerais beaucoup investir dans un deuxième chirurgien traumatose moi aussi. J'ai fait le bâtiment déjà, il faut juste que on ait deux, enfin il faut qu'on ait quatre en tout de réquisition de personnel. Je pense que je vais lancer un petit mec. Tiens, Douglas. Vas-y, boss. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, putain, j'ai cru qu'il y avait une pop-up rouge sur la cantine, mais non, on a largement de quoi bouffer. Alors. Ah ouais, il y en a encore un là. Ouais, ça va commencer à être vraiment compliqué. Hein. C'est des opérations qui sont hyper longues en fait. C'est ça qui pose problème. Et comme tous les bonus qu'on peut faire pour les améliorer, et ben ça augmente encore la durée de l'opération. C'est waouh. Tiens, dans 2 heures on va les booster un peu. Ouais, bah c'est pour ça, Smoisis, que c'est super long les traumatos qu'en fait. Toutes les améliorations de la traumato, et notamment je crois que j'ai fait celle-là, là, j'avais pas fait gaffe, ça augmente le temps d'opération de 25%. Ici on augmente la quantité de matériel et on réduit la vitesse de rétablissement des patients. Là on augmente la quantité de matériel encore plus et on réduit la vitesse de rétablissement des patients encore plus. Donc en fait toutes les améliorations ont tendance à augmenter le temps de rétablissement, mais c'est pas normal, hein, dans le sens où à l'époque, la traumato, la psychologie, c'était encore hyper hyper jeune, quoi. Donc à part prendre le temps de parler avec les gens pendant des heures pour essayer de les débloquer, bah, on savait pas trop quoi faire, quoi. Donc ça reste réaliste. Compliqué à gérer, mais réaliste. Alors eux, ils sont censés être arrivés. Ok. Rare Tuck, très bien.
L'escouade d'éclaireurs décide de surveiller la route que l'homme a le plus de chances d'emprunter. Bientôt, un homme avec une charrette apparaît. Le commandant des éclaireurs décide de révéler sa présence. En voyant les éclaireurs surgir sur sa route, l'homme, clairement confus et paniqué, se précipite vers les buissons les plus proches et prend la fuite, laissant la charrette sur place. Les éclaireurs constatent que la charrette est remplie d'alcool, de plantes médicinales et d'hydromel. Si on pouvait le retrouver, ce serait bien quand même. Retrouver l'homme qui a abandonné la charrette est vite fait. Dès que les éclaireurs s'approchent des buissons l'arme à la main, un homme en sort et leur demande de ne pas tirer. Il porte ce qui semble être une tunique de moine. Tombant à genoux, il supplie les éclaireurs de ne pas lui prendre sa charrette. Interrogé, il dit s'appeler Tuck et être un moine d'un monastère des environs. Il était chargé de livrer des médicaments et de l'hydromel aux villages de la région qui en avaient besoin. Il explique qu'il se cache chaque fois qu'il voit des soldats parce qu'il s'est déjà fait voler et ne tient pas à ce que ça se reproduise. Ça m'a l'air douteux cette histoire, on m'a proposé de l'escorter pour voir où il nous amène vraiment. Le commandant des éclaireurs affirme aux moines qu'ils ne sont pas des pillards et qu'ils ne prendront pas sa charrette. Il lui propose de l'escorter et de l'aider à distribuer le matériel dans les villages, puisqu'il a si peur des soldats. Le moine semble surpris. J'avais oublié qu'il y avait encore de la bonté en ce monde, dit-il en souriant avant d'accepter la proposition. Il mentionne trois villages auxquels il doit livrer du matériel avant de retourner à son monastère. En gage de remerciement, il se propose de fournir aux éclaireurs de l'hydromel. On récupère 10 d'alcool et du moral, très bien. C'est un rebelle, il faut le tuer. Bah, frère Tuck. Bah ouais, non, mais c'est pour ça, je me disais, le mec, soi-disant un moine qui s'appelle Frère Tuck, ça sentait un petit peu l'arnaque, mais bon. Ça se trouve, il va nous amener à Robin des Bois, et puis pouf, on va zigouiller. Ça se trouve, il va nous amener à Robin des Bois et on va être zigouillé. C'est possible. C'est possible. Du coup, ils sont partis sans qu'on ait besoin de faire grand-chose. Ouais, ok, très bien. Ils font la mission sans qu'on ait besoin de les renvoyer. Eux, ils sont toujours sur la traque de l'ennemi. En train d'attendre la tombée de la nuit. Il doit y avoir Jeannot pas loin. C'est probablement réaliste la traumato, mais reste à voir si les améliorations de traumato valent la peine. Bah, c'est un peu pour ça que je n'ai pas fait les suivantes en fait. Celle-là, là, est pas hyper chère, ça coûte juste des lettres de change, mais augmenter la quantité de matériel alors que déjà c'est hyper tendu d'en avoir. C'est pas facile quoi. Mais tu vois, il y a quand même un gros bonus, hein, réduit les risques de complications des opérations de 50%, hein. Donc c'est quand même pas dégueulasse quoi. Ok, là on attend. Ah, ils sont déjà fatigués ici. Ils commencent à être épuisés. Bah parfait, on fatigue pas et en plus moral en hausse. Alors il y a un truc qui change par rapport au chapitre 1 que j'ai remarqué. C'est que globalement les équipes ont l'air de se fatiguer beaucoup beaucoup plus vite. Genre là les mecs qui sont nazes alors qu'ils ont même pas fini leur quart et encore de très loin. Et que bon, il n'y a pas eu non plus un boulot de fou quoi. Ça sent un genre d'augmentation de la difficulté quoi. Ah merde, lui il va crever, lui aussi. Et lui il est stable également, et si on le met là il va crever. Parfait. On peut en sauver un. Toi, je suis en risque d'échec élevé. Ouais, c'est pareil, il va nous falloir un deuxième mec là, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on foute quoi? Si je le fais dormir, de toute façon ils sont morts. Tu peux pas mettre le stable avant tout le monde? Bah si je mets le stable avant tout le monde, mais ceux qui sont en grave, c'est plus grave que stable, donc dès que normalement il faudrait faire ça, sauf que là on perd les deux. On va être obligé probablement de sacrifier celui-là. C'est pour te pousser à aller prendre l'écart de 8 heures. C'est possible moi aussi, ouais, je pensais à un truc comme ça, effectivement. Et ici, on a un mec à opérer. Bah go, vas-y. Si je m'en sors, je promets de changer. Je serai une meilleure personne. On n'a pas d'événement probable rapidement pour nous donner de la réquisition là. C'est nul. Mais là, clairement, il nous faudrait un traumato et un chimiste en plus, quoi. Et alors peut-être au niveau chimiste, ouais non, au niveau chimiste, on augmente les chances de réussite, mais ça va pas nous aider des masses. Réduire la difficulté des opérations, pareil, c'est pas. Ça va pas nous aider des masses.
Ça va nous aider, mais pas dans le contexte actuel, quoi. Ça pourrait être bien. Les mesures d'urgence, hein, qui permettent d'envoyer les soldats dans les tranchées, pour l'instant, ça n'a pas servi. Je pense pas que ça sera utile à un moment. Ça pourrait être pas mal à aller chercher. Que nos mecs, justement, se détériorent moins vite. Il y a celui-là qu'on pourrait déjà faire, par contre. Ah, on aura des ambulances pour le poste de secours, tiens, rigolo. Bon, de toute façon, avec zéro lettre de change, on fera pas de miracle. Un événement. L'opération s'est très bien passée, fantastique. On va carrément arriver à 100% de morale. Ça va faire en sorte qu'ils se fatiguent un peu moins vite aussi. Ah, si on peut en terminer avec ça, réhabilitation plus rapide, réduction du coût. Réhabilitation plus rapide. Ça rend pas l'opération plus rapide aussi? Non, pareil, non. On devrait être bien pour cette attaque. Allez, des lettres. Allez, encore 2 heures et tu vas te reposer, ça devrait le faire. On essaie de générer de la lettre de change. Il va falloir qu'on fasse une commande d'antipsychotique là. Anxiolytique, je sais pas comment ils appellent ça. Alors pop-up, tu viens ou tu viens pas? Antipsychotique, c'est ça. Personne en attente de décision, juste la fatigue quoi. Et c'est à quelle heure la nuit? C'est déjà la nuit là. À la fin du quart, c'est 20 h, c'est des quarts de 12 h. Oui, mais pour ceux qui attendent la nuit, les éclaireurs. Ah, les éclaireurs, bah ça doit être minuit, je pense. 7 h, ouais, non, même pas. C'est vraiment le cœur de la nuit quoi. Ah, il y a un petit événement là par contre. Qu'est-ce qui se passe? Excavation du tunnel, le Zeppelin. Si nos calculs sont bons, notre tunnel approche du Zeppelin écrasé. Les ingénieurs pensent que la galerie soutiendra son poids, à condition d'ajouter des étais supplémentaires, mais sans certitude. Nous pouvons le contourner, mais il nous faudra davantage de main-d'œuvre et de nourriture. On envoie 2 ingénieurs pendant 24 heures et 500 de nourriture. Waouh. On contourne, 250 et 10. On laisse Angus décider. Les risques de blessures seront plus élevés pour les soldats travaillant sur le tunnel. Ah d'accord, donc ils peuvent être blessés en travaillant sur le tunnel. Ça nous rajoute pas de temps, donc je pense qu'on va faire ça. On peut gérer des blessures pour les soldats. C'est pas totalement inenvisageable. Pourquoi vous courez-vous? Ah oui non, j'ai cru qu'on avait un mort, mais non, c'est que c'est le changement de quart. Allez, faut bosser et me terminer ça, s'il vous plaît. Notre VIP, il en est où là? Ok, on est en train de traiter le VIP. Dans 2 heures, on peut s'attendre à des lettres de change. Ce serait bien de commander un petit peu d'anxiolytique. Ah, nice, on a réussi à soigner le VIP. Parfait. Par contre, on est encore plus en déche. Ah, un petit niveau ici. Elliot,
plus performant au poste de secours, se fatigue moins vite, ses compagnons de travail se fatiguent moins vite, ses compagnons de travail sont plus performants. Ses compagnons de travail se fatiguent moins vite. Et donc là, le VIP, on a dit... il fallait le rendre inacte au combat. Et lui, il voulait retourner dans le dans les tranchées, mais on va suivre les ordres du QG du coup. Est-ce que je peux le mettre ailleurs? Oui, je peux choisir. Ok, mais on va le mettre. On va suivre les ordres. Des fois les VIP on peut pas choisir. Allez. Lui, bientôt terminé. Parfait. Qu'est-ce que quoi? On n'a rien là. Qu'est-ce que t'as branlé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a les deux patients qui sont arrivés là. Je vois pas de pop-up. Pause. On a des civils qui sont arrivés quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, jeu? C'était juste gratuit ce petit événement? Ok. Ah, encore un à mettre là. Lui il est en terminale, bah on va le virer, tant pis. Hop, au boulot. Alors est-ce qu'on a des opérations spéciales? Je me souviens peu avec eux. Non, on n'a même pas d'opération spéciale. Si, on a une opération spéciale. Réduire le temps de l'opération. Donc on peut dire, tiens toi, on te met là. Inhalation d'oxygène, mais c'est pas suffisant. On sauve ces deux-là. Si j'enlève ça, tu meurs quand même. Ouais. Bon, il meurt. De toute façon, il meurt. Donc, non, toi, t'es en phase terminale. Vas-y, va. Va crever. Va mourir. On te file du laudanum jusqu'à ce que tu en meurs. Non, mais jusqu'à ce que tu meurs de toi-même, on va dire. Pas le choix. Alors, je sais pas, c'était quoi la petite ciné là. Pour nous préparer à quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Alors, on peut commander un petit peu de psychotique. Belle moralité, Chobiti. Écoute, hein, Chobiti, c'est Chobiti. Hein, moi. Un événement. Parfait. Diminuer les chances d'échec, ça me va très bien. Voilà, Chobiti a fait une petite tête. Mais bon, bah écoute. Hein. Voilà, hein, il faut être. T'avais qu'à avoir de la moralité. Comme dit Gelden. Ah, ça y est, il est mort. Je sais que c'est pas la priorité, mais il faudrait commander des anxiolytiques. C'est totalement la priorité. C'est totalement la priorité. On va complètement en commander un maximum. Sur ce, tu nous abandonnes, Gaëlden. Et bah écoute, des bisous à toi. Bonne fin de week-end si on se revoit pas. Et sinon, bonne fin de samedi, déjà. Chubitou, il a fait un petit bisou quand même. Alors, toi tu travailles considérablement mieux au cimetière, on va pas te mettre au poste de secours. En plus, il aime pas les bonnes femmes. Ah oui, j'avais même pas fait gaffe, il pense que les femmes n'ont rien à faire dans les hôpitaux de campagne. On lui met drôle, comme ça il fera des bonnes blagues bien grasses féministes. Ouais. Misogyne d'ailleurs plutôt. On va le rendre ambitieux, ça colle plus au personnage. Bon, on arrive à fabriquer les médicaments, c'est bien. On
devrait réussir à tous les sauver avec un peu de bol. Si on n'a pas de gros rush, de nouveaux gros rush. Normalement c'est à 10h le prochain train de blessé. Yes. 9h48. Ok, on pourrait recruter des brancardiers si on le souhaite, mais pour l'instant ça va. On va essayer de cumuler là, de réussir à en trouver je ne sais comment. Et il va bientôt être 3h du matin, ils vont pouvoir s'infiltrer dans le camp, tenter de s'infiltrer dans le camp. Alors, à la tombée de la nuit, les éclaireurs sont prêts. À leur grande surprise, les Allemands ont l'air détendus et ne sont pas sur le qui-vive. Les éclaireurs les éliminent un par un sans tirer un coup de feu. GG ! En fouillant le camp, les éclaireurs trouvent des documents et des ordres destinés aux soldats. Ils semblent faire partie d'une opération nommée Piège Forestier. Leurs ordres étaient de détruire tous les villages dans un périmètre délimité sur la carte, mais il n'y a aucune indication sur l'opération elle-même ou son objectif. On fait un rapport où on va sur l'emplacement indiqué sur la carte. On y va. Alors, il faut qu'on les envoie, par contre. Allez, c'est parti, les gars. Vous y allez. Et eux, ils arrivent au premier village de Frère Tuck dans 1h30, donc on saura bientôt si c'était une arnaque. J'ai un grand quoi ? T'as un grand commentaire. Ah, j'ai un grand commentaire, j'avais pas vu. Mettre pause, sinon ça te défile. Zmoisis, d'après les avis Steam, ouais, alors j'avais vu que les avis Steam étaient vraiment pas top, mais globalement c'était pas mal, enfin en tout cas au début quand le jeu est sorti c'était pas mal d'avis clairement hors sujet, enfin c'est du review bombing un peu dégueu. Si ça commence à être un peu plus pertinent, pourquoi pas. Le jeu est trop répétitif et les choix moraux promis assez peu présents, puisqu'au final le seul critère que tu regardes c'est l'état et les ressources que ça coûte, peu importe qu'il y ait des enfants. Pourtant il n'a pas l'air si mal quand je retarde. Joué. Alors, des enfants, déjà, on est là pour soigner les soldats à la Première Guerre mondiale, donc les enfants, il y a des événements qui impliquent des enfants, mais on n'est pas là pour soigner des enfants, quoi. Oui, ça, c'était. Qu'ils soient mariés avec des enfants Ah, si tu parles du fait qu'ils soient mariés avec des enfants ou pas dans les fiches, c'est vrai que oui, ça peut faire partie du choix, mais c'est purement moral. Et le jeu te force en rien là-dessus, exactement comme dans la réalité d'ailleurs. Personnellement, je trouve que le jeu est très bon. Il est pas parfait, il est répétitif, mais comme le demandait quelqu'un sur le chat au début du live, je pense que ça fait partie de l'essence du jeu. C'est un pur jeu de gestion, de macro-gestion, qui est fait pour être répétitif. Et je pense qu'il souffre beaucoup de sa comparaison avec This War of Mine, qui est un jeu de micro-gestion pour moi. Et qui est typiquement la raison pour laquelle je n'aime pas This War of Mine, parce que c'est de la micro-gestion. Et que j'aime pas du tout les jeux de micro-gestion. C'est exactement, je vais reprendre un des parallèles que je faisais hier, c'est exactement la même chose contre un RimWorld et Dwarf Fortress par exemple. RimWorld qui a pas mieux marché que Dwarf Fortress, ça serait faux, parce que Dwarf Fortress est quand même très très bien marché, mais RimWorld, c'est un jeu de micro-gestion qui moi m'insupporte. Je peux pas jouer à RimWorld, ça me fait chier. De gérer chaque personnage et tout comme ça. Mais par contre, un jeu comme Dwarf Fortress où tu donnes des ordres globaux et où tes personnages suivent les ordres, qui est de la macro-gestion, ça m'éclate. Et je pense que c'est pour ça que je pense que ce jeu souffre de la comparaison avec This War of Mine, et que je le compare moi plutôt à un siège survival, parce que c'est de la macro-gestion, très clairement. C'est pas du tout un jeu de micro-gestion, et si les gens l'abordent comme ça, micro-gérer les personnes, micro-gérer les patients, ils ont des enfants, ils n'ont pas des enfants, etc. C'est pas du tout le but du jeu. Et... Ah tiens, on a la petite bande de civils qui arrive là. Et c'est pas du tout... l'objectif du jeu non plus. La réalité de la guerre, c'était pas ça quoi. La réalité de la guerre, c'était... le mec il arrive, il a ses entrailles qui dépassent. T'as 25 autres patients à gérer. Il peut avoir 25 enfants, tu t'en fous quoi. Tu sauves ceux qui sont sauvables quoi. Et c'est la merde, le mec il a l'air de s'en sortir bien, mais il y en a 10 autres derrière à gérer, bah tu lui coupes une jambe pour que ça aille plus vite, tu lui coupes une jambe pour que ça aille plus vite quoi. C'est ça la réalité de la guerre, et c'est ça que les développeurs visent avec ce jeu. C'est pour ça qu'ils ont bossé avec le musée de la guerre, c'est pour ça qu'ils ont fait ce gameplay là. Donc effectivement, je pense que ces commentaires, bien que pertinents, ne sont pas forcément logiques dans la gestion, dans l'objectif que les développeurs avaient avec le jeu.
Donc on a un groupe de réfugiés. Après, je dis pas, le jeu est perfectible. Gérer les personnages, sans parler de micro-gestion, leur niveau, etc. Les bonus qu'ils ont, c'est très chiant. Faut cliquer à plein d'endroits. Quand on veut gérer les affectations, faut trouver un bâtiment qui a des affectations. C'est très long. On pourrait imaginer d'avoir des raccourcis dans les boutons, des petites pop-up en plus. Il y a des trucs qui sont à changer, qui sont à améliorer. Et les devs, a priori, sont en train de travailler dessus. Mais il y a des choses qui sont indiquées dans les commentaires ou que les gens n'aiment pas, qui je pense souffrent de comparaisons qui ne sont pas pertinentes. Mais ce n'est que mon avis, une fois de plus, hein. Moi je kiffe le jeu, je prends beaucoup de plaisir à y jouer, c'est pas pour rien que j'ai fait quasiment 10 ou 12 heures de live dessus en 3 jours. Mais effectivement, c'est un jeu de pure gestion. Il faut pas du tout l'aborder comme un jeu de micro-gestion, comme pourrait être un This War of Mine ou un RimWorld. Mais si t'es beaucoup plus orienté macro-gestion, gérer tes ressources, gérer ton flux, il y a des crises, tu gères les crises, etc. T'essaies de faire au mieux, tu vises le bon score, c'est un jeu qui va te plaire, quoi. Effectivement, si tu t'attends à un jeu plutôt de micro-gestion, tu vas renommer tes personnages, te prendre d'affection pour eux, les envoyer se dormir parce qu'ils sont reposés, etc. C'est non, bah non, faut bourriner, et les choix moraux, c'est des choix moraux globaux du type celui que je vais avoir là probablement. Choisir de sacrifier quelqu'un parce que si tu le mets à crever en lui filant du laudanum en masse, et ben il te fera moins de morale que si tu tentes de le sauver et que ça va consommer des ressources qui auraient pu aider 2-3 autres mecs qui ont plus de chances d'être sauvés, etc. Donc c'est des choix moraux qui sont pas liés directement, même si tous les mecs ont un background et tout, c'est pas lié directement au background, effectivement. Alors, les réfugiés. Ils demandent la permission de s'abriter. Des femmes et des enfants sont parmi eux. Les accueillir risque de peser lourd sur nos ressources, mais nombre d'entre eux périront s'ils doivent passer leur chemin. Donc on peut les accueillir, ça monte le moral. Et on a plus 11 civils à nourrir, ou on les refoule. Non, on va les accueillir, tu vois, voilà, hop, on va faire un choix moraux. On accueille les femmes et les enfants. Et on passe à 90 de bouffe par jour, ce qui veut dire qu'on va devoir allouer de la ressource probablement à faire de la bouffe. Ce que jusqu'ici on ne faisait pas. Donc toi tu préférerais ne pas travailler au dépôt d'ingénierie. Toi tu préférerais travailler au dépôt d'ingénierie, mais t'es plus efficace ici. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est efficace pour faire de la nourriture? Je crois qu'on en a un, ouais. Utilise moins de ressources pour produire des rations alimentaires et de l'alcool. C'est Nathanaël. Nathanaël, c'est toi. Donc tu vas commencer à faire de la bouffe. Et toi tu vas bosser là. Toi aussi t'as du mal avec la micro-gestion, t'arrives pas à accrocher. Bah ouais, c'est une question de préférence, hein. On a vu passer là sur le live depuis le temps que je live le jeu sur 3 jours là. Il y a des gens qui sont passés qui disaient bah ouais, moi je l'ai essayé. Il y a même un streamer qui est passé hier qui nous a fait un raid, on a papoté un peu, qui disait que lui le jeu il accrochait pas trop justement parce qu'il manquait cette phase un peu de micro-gestion temps réel. Donc c'est vraiment une question de préférence, enfin il y a largement assez de jeux pour s'intéresser à des jeux qui nous plaisent, quoi. Je pense que. Alors, Alistair Young a terminé sa rééducation. Donc, du coup, on a dit qu'on le renvoyait, lui, hein. Ouais, on l'a renvoyé. Très bien. Alors, on commence à être un petit peu en dèche. Là, on voit que la prochaine attaque va être assez lourde. L'attaque va avoir lieu à peu près au même moment qu'on va avoir le. Non. Ça va être en pleine nuit. Ah merde, on a perdu un patient. Et c'était un patient ici, là, qu'on a perdu. De traumato. Mais après, force de prendre du temps à les opérer, ils sont plus compliqués, quoi. Il me faut un autre traumato, ouais. Alors, on a 5 lettres de change et 1400 ressources. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Là, on est sur du 9, du 8. On pourrait améliorer le poste de secours. Non, on a dit qu'on pouvait améliorer ce truc-là. Pour que les patients se détériorent moins vite. Et on est en dèche d'ingénieurs, mais j'ai pas envie de recruter des ingénieurs. Du coup, je pense que ce qu'on va faire, c'est que toi qui préférerais travailler ici. On va plutôt faire un truc comme ça. Ouais. Terminer ça. 1h30, ok, très bien, tu vas là. Signe qui aimerait travailler au dépôt d'ingénierie, on va l'envoyer au dépôt d'ingénierie.
Ça met pas de bonus donc non, en fait on va l'envoyer bosser et on va plutôt utiliser toi qui fais moins de ressources pour le dépôt d'ingénierie. Vas-y, bosse. On a une bonne réserve de médicaments, c'est pour ça que je me permets. Alors qu'on peut travailler un petit peu sur les trucs. Alors on a des patients qui sont arrivés. Un mec stable avec des chances d'échec élevées, donc il nous faut un médecin de qualité. C'est parti pour toi. Et là, une opération fatigante mais simple. On va entraîner un peu ce médecin-là. Et là, on a de nouveau du mal en médicaments aussi psychotiques. Pareil aussi, hein, si on prend un autre traumato, on va consommer beaucoup plus vite ces médicaments qui sont extrêmement chers. Donc ça va pas être simple non plus. Allez, c'est le changement de quart. On a des mecs qui font rien là. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah, ils ont fait leur première livraison là. Il faut qu'on leur dise de faire la deuxième. Ok. C'est parti, go. On a deux événements. Pourquoi je dis infectation? L'infection était légère et nous sommes confiants quant à la guérison du patient. Hélas, ah, c'est les déshydratations et émaciations. Récupération plus longue. Non, pas besoin. Et là, opération plus rapide, parfait. Et ça va être bientôt l'assaut. Alors, on a terminé le dépôt d'ingénierie. Parfait. Donc, tu vas bosser là. Et du coup, avec le dépôt d'ingénierie, on pourrait débloquer plus de postes, mais il faut 8 dettes de change, ok. On va avoir plus de postes à la pharmacie. Après, dans les défauts qu'on pourra donner au jeu pour le moment, par exemple. C'est que ça manque un peu d'explication. Alors après j'avais désactivé le tuto en partie pour éviter que ce soit trop compliqué pendant le live, mais typiquement les camions, bah j'ai pas compris quoi. Normalement on était censé avoir débloqué un dépôt sur la carte avec le vieux là, mais visiblement c'est pas le cas. Alors peut-être que vu qu'on l'a un petit peu énervé, en fait ça nous a dit qu'on avait débloqué le dépôt, mais non. On a un camion qui fait rien du coup. Et puis le chapitre 1. Donc ça manque un petit peu de peut-être encore de pop-up, d'infos, etc. Mais... Oui, j'ai eu un succès quand j'ai terminé le chapitre 1. Terminer un chapitre sans appui. Je sais pas du tout ce que c'est que les appuis, j'ai pas demandé d'appui du coup, donc je savais pas ce que c'était. Mais je pense que c'est les opérations spéciales. Type amputation et compagnie. Que du coup effectivement on n'en a pas fait. Alors là j'en ai fait une mais sur un événement donc pas... je sais pas si ça compte. Allez, on a le train de blessés qui arrive. Et ça va être la bataille donc on va avoir double rush là. Il va falloir bosser, j'espère qu'il va pas y avoir trop de mecs en mode psychotique sinon ça va être complexe. C'est pas beaucoup mieux mais c'est des opérations assez courtes là. Alors on va mettre plutôt celui-là, voilà, comme ça il sera pas épuisé à la fin, c'est une opération pas trop fatigante, il terminera sur lui. Les camions ne sont pas utiles aux éclaireurs pour aller chercher les gars dans les tranchées. Non, il y a une amélioration supplémentaire au poste de secours. Pardon, qu'on peut faire, une fois qu'on a fait le poste de secours 1, on peut faire des ambulances. Qui permettent justement de transporter les blessés entre le poste de secours et le PES, mais c'est différent des camions qui sont là, qui sont liés à l'entrepôt,
Et c'est marqué fournir un camion qui peut être envoyé au dépôt sur la carte des éclaireurs. Mais pour ça, il faut un dépôt sur la carte des éclaireurs, j'imagine. Et tout à l'heure, on a fait une quête qui était censée nous avoir débloqué un dépôt, mais il n'y a rien d'évident. Je peux cliquer sur rien. Donc, je pense que vu que j'ai terminé la quête avec un truc moitié-moitié, c'est-à-dire que j'ai embarqué la fille, donc le père n'était pas content, j'ai emmené l'amant, donc la fille n'était pas contente. Donc je pense qu'en vrai ça n'a pas vraiment débloqué le dépôt, mais j'ai pas de preuves ou quoi que ce soit quoi. Pour le moment ça reste flou. Alors le chat qui me saute sur les genoux, ça c'est fait. Donc, on a de nouveau des gens à dispatcher, c'est que du 2, on va donc générer de la lettre avec eux, on va garder les 3 pour le prochain assaut. Allez, notre petite commande arrive. Ah, des autorisations, ouais bah, ah, il faut envoyer des soldats au QG, ah bah ouais, bah, alors là, aucun problème, je t'en envoie autant que tu veux des soldats. Ok, là... On en a de nouveau un ici. Bah, il va crever lui. On peut pas y faire grand chose, c'est une opération pas trop fatigante, on peut peut-être le mettre avant. Mais c'est l'autre qui meurt. Et bah écoute, pour l'instant, tu vas rester là. Et ici, on est reparti. Une opération fatigante, c'est pour toi. Une opération fatigante mais facile, c'est pour toi. Mais tu peux pas virer un de tes médecins pour en acheter un autre. Je vais pas virer un de mes médecins pour en acheter un autre. Tu veux dire genre un chirurgien pour le remplacer par un traumato? Oui. J'ai pas vu ça, non. Ok, lui, il est à son troisième niveau, excellent. Se fatigue considérablement moins vite, ses compagnons de travail se fatiguent moins vite. Performant au poste de secours, non, on va le mettre... Quoique un autre efficace au poste de secours, ça pourrait être pas mal. Ouais, on va lui prendre ça, ça nous fera un mec de plus à mettre au poste de secours éventuellement. Là non, ils sont pas encore arrivés. Les plans secrets. Après de longues recherches, l'escouade d'éclaireurs finit par trouver le point central de l'opération. Au cœur de la forêt, une sorte de camp allemand est en train d'être installé autour de plusieurs camions remplis de matériel. Au moins deux bataillons de soldats sont occupés à creuser. Les Allemands semblent préparer une position avancée composée, au vu des travaux effectués, d'une double ligne de tranchées et d'au moins une ligne de mortier. Ouf. Les travaux ne font que commencer et devraient occuper les Allemands pendant une ou deux semaines, mais le commandant sait qu'il y a tout intérêt à détruire ce camp au plus vite. 10 lettres de change pour ces informations. Parfait. Et du coup, ça les a... Ok, donc ils reviennent. Ils reviennent automatiquement. Très bien. Mais il faut qu'on ramène les informations. Ok, on n'a pas nos lettres tout de suite. Alors, on attend. Nouveau patient. Encore un là. Non, celui-là on l'avait déjà vu. Encore un là. Ok, 15 heures d'opération. Pas de stress. T'iras dormir avant. Et ici. Bah c'est parti. Au boulot. Cinq morts, ça va. Nickel, on gagne en fatigue. C'est parti, ça va être la teuf. Et une balle qui traverse de part en part. Parfait. Alors là, on va changer les affectations. Alors, nos mecs qui aiment bien travailler au poste de secours. Toi, tu es plutôt du cimetière. Donc c'est Jen et Elijah. Et Seth et Damian. Déjà, Seth, il y est déjà. Go. Toi, tu te mets comme ça. Non, mais tu vas même aller ici. Et là, il va nous falloir deux mecs qui bossent. Toi, tu préfères partir du tour. Toi, t'as pas de préférence. Toi, tu te reposes pour éventuellement la nuit. Et alors, j'ai pas fait gaffe. On passe en 24 heures là. Là aussi, on passera en 24 heures. Go! Il va y avoir du boulot. Ok, c'est une attaque classique. À
Apparemment, les cavions sont mauvais et un bouton sur la carte avec les explorateurs près du garage lorsque tu le trouves. Bah, c'est ça, ouais, je pense qu'il faut le dépôt sur la carte. Et justement, normalement, on était censé l'avoir, on était censé en trouver un là, avec la quête qu'on a terminée ici, mais c'est pas le cas. Donc, je pense que c'est un bug dans le texte de la. Dans le texte de la. Comment ? De la quête, de la réussite de quête, pour le coup. Alors pour l'instant 11 blessés, c'était pas une attaque au gaz donc ça va nous aider, pas d'artillerie non plus donc il y a de bonnes chances que ça soit pas des gens trop chiants ici. Parfait. Là il en reste encore beaucoup là à la gare là. Ok, c'est le dernier qu'ils sont en train d'emmener. 16 blessés. On va envoyer 4 mecs. Hein. Ah non, on a déjà 4 mecs. Donc on envoie ce qu'on peut. Et on a terminé une amélioration. Ok, on va juste regarder ça. Voir ce qu'on a à guérir. Un mec stable. Une heure d'opération, c'est parfait. Toi, t'enchaînes ta petite opération d'une heure tu fais sur celui-là. Et du coup, on a 0 lettre de change, donc on peut rien améliorer pour le moment, mais par contre on peut bouffer de la ressource. On va passer en 24 heures. Toi tu fais un petit peu de nourriture. Et c'est Sin qui est efficace à faire de la du matériel médical. Et on en a un autre ou pas? Donc toi t'es déjà en train de le faire. Toi tu réduis le temps de construction, toi t'es sur les rations et toi t'es pas touché par les traits des autres. Ok. Ce qui est bien et moins bien. Et toi t'aimerais ne pas travailler au dépôt d'ingénierie, donc on va en profiter, tu te prends le moral. Ah toi t'aimerais travailler à la pharmacie. Et Mathias là? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie Mathias? Ah, il faut qu'il travaille sinon le moral diminue, d'accord. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que Mathias, tu vas aller faire un peu d'alcool. Et toi, tu bosses là. Voilà, comme ça, bah, tu travailles à la pharmacie, mais ça te met pas de bonus pour le moment. Au boulot, les ingés là. On va avoir besoin de médoc. Alors après, c'est clair que je comprends tout à fait l'intérêt d'avoir l'ambulance, hein, parce que là, déjà... Les mecs, ils mettent des plombes à aller chercher les blessés dans la dans les tranchées, parce que enfin, forcément c'est hyper long quoi. Et après, ils mettent des plombes à les ramener. Alors, une petite ambulance qui fait le trajet Pépouze, ça aiderait carrément quoi. Allez, c'est bien, allez vous reposer un peu parce que je pense que vous allez avoir du taf dans pas longtemps. Passons en vitesse 2. Parfait, encore des blessés. Tu veux pas rester avec nous, ambulance, non? On va peut-être passer en 24 heures aussi là pour que on évacue très vite, mais bon ça va, on n'a pas non plus trop de... Ouais écoute, il y a quand même 13 mecs là finalement, 12 dans les tranchées, plus tous ceux qui ont déjà été récupérés, ça va être chaud hein. On est à 8 sur 20 là. Ah, le dilemme du moine. Le monastère de Frère Tuck est un vieux bâtiment solide, qui porte cependant la trace des combats. Frère Tuck semble gêné de voir arriver les éclaireurs et s'excuse pour l'état du monastère, mais une fois rassuré, il leur raconte ce qui s'est passé. Ils se sont fait voler par un groupe de pillards et de déserteurs. Ils sont arrivés au monastère en prétendant chercher un abri pour la nuit, et les moines les ont laissés entrer. Mais ils sont devenus violents dès que les moines ont refusé de se plier à leurs exigences, et ont détruit le mobilier, attaqué les moines, et volé autant de provisions d'hydromel et d'objets de valeur que possible. On va traquer les pillards. Frère Tuck dit aux éclaireurs qu'il n'approuve pas la violence et ne veut pas en arriver là, mais que sans le matériel, le monastère et de nombreux villages se retrouveront privés de médicaments et de soins. Le cœur lourd, il accepte la proposition, mais demande aux éclaireurs de laisser aux pillards une chance de se rendre. On verra ça. La pause. Hop.
Alors, on va ici. Attends, les mecs, ils ont fait un trajet, quoi. Ici, 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 là, 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 là. Et un petit passage là aussi. Ouais, on n'arrive pas encore à sortir les mecs de la... Donc on va passer en 24 heures là aussi. Un brancardier de plus. Tout qui se repose quand ils font rien, mais par contre quand il y a du boulot, faut qu'ils envoient. Ah, un petit événement. 8 heures de réhabilitation en moins, parfait. Allez, ramassez-nous celui-là, qu'on regarde un peu ce qui nous attend. Donc lui, il va se reposer. Et là, on a deux mecs en bon. Et ben, c'est parti. Ils sont tous bien reposés. On va les mettre avec ceux qui sont efficaces. L'assaut là, il pique l'assaut. Hein. On est à 9 sur 20 ici. Donc, déjà, ça c'est cool. 2, 2, 2, 1, 1. Donc, tous ceux-là, on les envoie au QG. Si on peut avoir de quoi recruter un médecin, ça sera cool. Par contre, les trois, va falloir qu'on les envoie parce que pour l'instant, la prochaine attaque, on va se faire piétiner la tronche. Un petit boost de morale, ok. On est à 99. On peut monter à 100, mais il faut des trucs particuliers pour monter à 100. Des événements spéciaux. Et encore un événement. Réduction du coût. Réhabilitation plus rapide. Opération sable, risque de chèque basse, ouais, il va se rétablir vite. Donc on réduit le coût, on va avoir besoin de médoc. Ah et salut la perle de minuit 2, bienvenue sur le live, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. J'arrive juste pour le rush de soins de l'attaque des tranchées. Il faut qu'il récupère les neufs avant de commencer à nous amener les autres, donc c'est un peu long. Et bah écoute, je vais très bien. Merci beaucoup. Ah, ici ils sont déjà en train de fatiguer eux. Les gars, bah. Hein? Mais c'est pas des ingénieurs, je vais pas leur acheter d'ambulance. C'est des ingénieurs, ils fabriquent des médecins, des trucs chimiques là-bas. Cela dit, on n'a pas besoin de tant que ça maintenant, mais. Les rations, ça va également. On va les envoyer se reposer. On les mettra à travailler à la place de ceux-là ou à construire un truc à l'occasion. Allez, là, il y en a un qui arrive. Toc. Changement de quart. Ok, ça c'est 2 plus 3. Ils vont tous les deux là. Et on est parti. Ah, on a perdu quelqu'un et on a personne au cimetière, je crois. Donc Tristan, viens là. Alors il va prendre du temps à y aller. Donc non, reste ici. Toi, viens là. Bon, on est à 56 vivants sur 6 morts, ça va, franchement. Le ratio pour le moment reste correct. Ah oui, t'arrives au bon moment, la perle de minuit. Enfin après, il faut le temps, hein, mais quand on va commencer à recevoir les médecins, les blessés là, là, ça va être le rush. Ici on est à 1 sur 10, ok. Là on est à 11 sur 20. Toi t'es un plus 3, tu vas dans les tranchées. Ok, on passe à correct avec celui-là, c'est bien. Si on pouvait réussir à avoir un mec en plus, soit là, soit là. Alors je sais même pas. Hein. Franchement, quand on aura de quoi recruter un médecin en plus, je sais même pas si je le prends pour la trauma ou pour la chimie. Peut-être pour la chimie, parce qu'on sait fabriquer des médicaments qui vont bien. Ça sera peut-être plus pertinent, et tant pis pour la trauma, quoi. Mais c'est clair que le choix va être difficile. Hein. Je suis passé à 9 morts parce que là-bas, là, il doit y avoir des morts, probablement. Non, même pas, pour l'instant non. Tu regardes du gameplay pour savoir ce que le jeu donne. Et bah écoute, le jeu est très bon, je trouve, moi.
Alors, il faut s'attendre à un gameplay de pure gestion, pas de micro-gestion ou d'affectifs ou de trucs peu répétitifs comme dans This Is War of Mine par exemple. C'est vraiment un jeu où on va avoir des choses qui vont se répéter, on doit gérer notre hôpital de manière identique un peu chaque jour, mais justement c'est là qu'est l'intérêt pour ceux qui aiment ce gameplay. Et alors, si jamais tu envisages de craquer, sache qu'il y a un code promo que je peux proposer grâce à notre partenaire GamesPlanet en utilisant ce lien qui te donne 28% de réduction sur le jeu. Donc le code signe en majuscule à utiliser dans le panier, hein, c'est simple. Donc c'est plutôt intéressant si tu penses craquer. Bien sûr, craque si le jeu te plaît, hein, sinon. Tac tac tac, là on en a un qui a une opération un petit peu fatigante, on va la mettre à lui. On va essayer de garder et reposer nos médecins expérimentés. Oui, je pense qu'on est passé à 9 morts parce que là il doit y avoir des mecs dans les tranchées qui sont morts. Qui sont pas encore été récupérés mais qui sont morts. Alors, une blessure nette. Parfait. On réduit les chances d'échec. Ça me va tout à fait. Attention, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et là, alors, les pillards. L'escouade d'éclaireurs retrouve les pillards au cœur de la forêt dans une clairière traversée par un petit ruisseau. Il semblerait que leur camp vienne de subir une attaque. De nombreux hommes blessés ou mourants sont étendus dans l'herbe et des objets de valeur sont éparpillés un peu partout. Un groupe de pillards est en train d'achever les blessés et d'empiler les cadavres probablement pour les brûler. C'est des pillards qui attaquent des pillards qui attaquent des pillards, quoi. Sans doute que des tensions entre deux groupes de pillards ont fini par tourner à l'affrontement. Les pillards restants sont plus nombreux que les éclaireurs, mais ils n'ont pas de fusil à portée de main. Le commandant estime que ces hommes n'auront pas trop de mal à les maîtriser. Eh ben on tente! Comme l'a demandé frère Tuck, les éclaireurs laissent une chance aux pillards. Ils révèlent leur présence et leur cri de se rendre. Les pillards sont surpris, ils sautent des armes, surtout des couteaux et autres armes de mêlée improvisées pour attaquer les éclaireurs. Mais un coup de semonce les décourage immédiatement. Réalisant que des couteaux ne font pas le poids face à des armes à feu, la plupart des pillards se rendent, mais quelques-uns tentent de prendre la fuite. Cette tentative tourne court quand un des pillards prend une balle dans le genou. Ah, la fameuse balle dans le genou. Les pillards sont vite arrêtés et le matériel et les objets de valeur du monastère récupérés. Les éclaireurs quittent la carrière sans avoir subi de pertes et ramènent avec eux au QG 10 hommes ligotés et de nombreuses charrettes de marchandises. C'est cool. Alors du coup, qu'est-ce qu'on gagne? Les éclaireurs gagnent 5 d'alcool par éclaireur, très bien. On gagne un de réquisition pour avoir terminé la mission et on dévoile le dépôt du monastère. Alors du coup, est-ce qu'on a vraiment le dépôt? Yes, on a vraiment un dépôt là. On peut donc envoyer notre petit camion pour gagner de l'alcool. C'est parti. 27 heures pour faire l'aller-retour. Ok. Donc on va avoir une arrivée d'alcool assez régulière, on va dire. Toi, t'es extrêmement épuisé. On va te remplacer par lui. Tu te reposes. Alors, on a 8 lettres de change et beaucoup de ressources. On peut certainement faire des trucs là. Non, non, mes éclaireurs, ils sont là. Donc, tant qu'il y a la petite indication ici qu'il y a des missions en cours, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Et les camions fonctionnent, Moïse, tout à fait. Je pense que c'était vraiment la quête hein, qui était buggée. Il nous disait qu'il y avait le dépôt qui était débloqué. Mais étant donné qu'on avait fâché le mec et qu'on l'avait un petit peu braqué et menacé pour qu'il nous donne la récompense, je voyais pas pourquoi il nous aurait laissé un dépôt, quoi. Donc non, je pense qu'effectivement, le dépôt c'était un faux dépôt en fait. Alors, on peut aller chercher ça. Le poste de secours pour les ambulances. Ouais, on va aller chercher le poste de secours pour les ambulances. Alors, c'est Carter qui est efficace sur les constructions. Donc on va envoyer Carter. Lui, il va rester se reposer. Hein. Il va pas y aller tout de suite. Il ira quand il sera en état. Est-ce qu'on a d'autres améliorations? On n'a plus que 3 lettres. Alors avec 3 lettres, on va commander quelques médicaments, je pense. Des antipsychotiques là. Hop, c'est parti. Et on est reparti. On a envoyé 4 personnes. Donc quand ils seront revenus, on aura nos trucs. Hein. Pour le moment, on a pas ce qu'il faut. Mais avec 2 mecs entre autour du QG, on va peut-être pouvoir se faire... Allez. On peut se recruter 2 médecins et là on est royal. Là on est hyper bien.
Ce serait super classe. Voilà, là il y a notre mec du cimetière qui y va, donc je pense qu'ils sont. Ça y est, les blessés ont été ramenés, on a deux décès. On est passé à 11 décès. Ben ouais, 0 blessé dans les tranchées, donc ça veut dire que ça y est, ils vont nous les amener et qu'ils risquent dans des états pas excellents. Il te manque combien pour recruter des médecins? Alors, je sais pas exactement si ça augmente, parce que à la base, là, lui c'était 5 pour en recruter un, maintenant c'est 6, et eux c'est 4. Donc, est-ce que quand j'en aurai recruté un à 4, l'autre passera à 5? Je ne sais pas encore. J'espère que ça restera à 4, mais en gros, du coup, il nous manquerait 6 si on voulait faire un de chaque, quoi. Et merci pour le follow, la perle de minuit 2. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne. Alors, ça c'est un mec à 2. On va l'envoyer là quand même. Ouais, quoi qu'on a. On a encore de la marge en temps. Vu les gens qu'on va devoir soigner et qu'on va sortir là. Alors du coup, étant donné que maintenant ils ont terminé de se balader dans les tranchées, on va inverser ces deux là. Lui est plus efficace au cimetière, donc on va le mettre au cimetière. Il va terminer sa tâche et après aller au cimetière. Pareil pour l'autre qu'on a inversé. Si, c'est mon Tristan, qui est efficace au cimetière. Travaille considérablement mieux au cimetière. Tristan et Lucas. Mais ils ont pas, ils avaient pas la préférence de travailler au cimetière. Ça, on peut pas y faire grand chose, quoi. C'est pareil, hein. 7, je lui avais donné la compétence d'être efficace au poste de secours et il se trouve que il a popé, ne préférerait ne pas travailler au poste de secours. C'est pas de bol, quoi, mais. Ça coûte assez cher, l'investissement ne vaut le coup que si tu peux produire les médocs en nombre correct sur place. Ouais, bah c'est un équilibre à trouver. Ça c'est une ressource qui est vraiment très rare, et ça sert à recruter tout le personnel, quoi. Donc les chirurgiens, les ingés, les brancardiers, les infirmières, les éclaireurs. Et les prix sont plus ou moins augmentent au fur et à mesure qu'on en recrute. Et en plus il faut leur faire de la place où vivre. Donc ça... C'est un équilibre. Là, tu vois, au début du scénario, avec les ressources qu'on a eues, j'ai pris un chirurgien de plus. C'était peut-être pas adéquat. Blessure propre, on va gagner des médicaments. Mais je pense que quand on va commencer à avoir vraiment un gros rush là, ça va devenir adéquat. Attends, 25 qui consomme cet enfoiré. Alors, le VIP, risque d'échec aucune, très bien. Je vous informe que le sergent Steve Rogers a fait preuve d'un courage digne de l'armée et s'est jeté sur une grenade pour protéger ses frères d'armes. Waouh. Grâce à une plaque en acier qu'il portait, il a survécu. Ok. Une telle démonstration de bravoure est chose rare et en lui sauvant la vie, vous pourriez inspirer et stimuler le moral de tous les soldats. Oui, Captain America, Captain America, exactement. Le mec qui se jette sur une grenade avec une plaque métallique. Allez, on te met dans les mains de notre chirurgien le plus efficace. Et salut Ardarine, bienvenue sur le live, j'espère que ton live s'est bien passé. Techniquement, le souffle de l'explosion aurait dû lui broyer les organes. On est d'accord que ça aurait pu lui faire un peu mal. Ah, on peut améliorer notre médecin chimiste. Réalise l'opération plus rapidement, ça serait bien ça. Ouais, carrément. Augmenter la vitesse. Et elle, elle gagne son niveau de plus. Se fatigue considérablement moins. Non, t'es déjà en serviable. Donc on va prendre... On va prendre la fatigue. Que les médecins se fatiguent un petit peu moins vite. Alors, on va peut-être repasser en vitesse 1 parce que ça commence à être un petit peu la course là. Toi, t'es passé stable. On aurait moyen de le sauver maintenant qu'il a gagné son niveau. Ça, c'est cool. Donc, ici, une opération assez fatigante. Des patients stables. Toi, c'est pareil, tu vas enchaîner là-dessus. On va repasser en vitesse 1. On se calmer un peu.
Tu m'étonnes qu'il lui faille 25 ressources s'il se met sur le chemin de la grenade. Bah et ouais, j'avoue. Là il veut calme mais une réussite. Ah bah c'est cool Ardarine. Allez, on va faire en sorte que les gens se fatiguent moins vite, parce que là, je pense que clairement, on commence à avoir de la fatigue qui se fait sentir là. On a encore 6 mecs à évacuer ici. Pas tant de décès, franchement, vu les conditions, pas tant de décès. Est-ce qu'avec nos 5 lettres, on pourrait améliorer le poste de secours pour aller chercher... Ah non, on est déjà en train de l'améliorer. Et chercher le garage après. Le garrot et le garage là, ce serait deux bons objectifs je pense. On en est où pour les ingénieurs? On fait de l'alcool, on fait de la bouffe. Alors l'alcool, bon là il travaille pas. On va l'envoyer bosser là, l'alcool, vu qu'on a plus personne qui travaille ici et qu'on a quand même de la marge, c'est moins grave. La nourriture ça se maintient. Les médicaments par contre ça devient critique. Surtout avec le cause de l'autre enfoiré avec ses 25 là. Là l'infirmière, c'est pas du tout ça que je voulais faire. L'infirmière qui est dans l'aile opératoire est fatigue mais elle est en quart donc dès qu'ils seront tu fais quoi toi? T'emmènes qui? Où? Ils sont tous en train de travailler. Ah non, il y a lui, ça t'emmène lui qui est pas encore en train de travailler. Ok. Un moral en hausse. Parfait, on passe à 95 de morale. Et on a quelqu'un qui est arrivé. C'est de type stable. Passe devant. On va essayer de terminer l'amélioration du poste de secours et derrière on verra si avec nos 5 lettres on peut pas aller chercher les ambulances pour la prochaine bataille là. Parce que je pourrais recruter plus de brancardiers pour mettre plus de brancardiers là-bas mais je préférerais avoir un médecin si je peux. C'est du 2, ça c'est du 1, on les envoie là pour avoir notre petit bonus là. On est à 8 sur 10, parfait. Il est parti de camion là, on est d'accord. Hein. Oui, il est parti, c'est bon. Il n'y a pas la date d'arrivée, mais c'est le dépôt qui est actif. Allez, un petit médecin de plus. Ah, on a un événement. Qu'est-ce qui se passe? Un groupe de réfugiés, encore un? 9 civils en plus? Eh ben on continue d'être des gens bien. 99 de bouffe par jour. Les trains ils nous amènent 28. C'est pas si mal, c'est pas tant mais c'est pas si mal. Et notre amélioration est terminée, c'est parfait, je regardais le train arriver là, il nous a amené des ressources. Du coup, tac tac tac, non c'est pas là, c'est ici. Si on veut aller chercher les ambulances, il faut 8 lettres de change, et ça, 7. Ah ouais, c'est cher. Donc on attend. On attend, et du coup, les mecs qui se reposent. Sin, toi tu préfères travailler là, toi tu te reposes. Sean, ouais, Sean, je sais, Sean. Carter, tu te reposes parce que toi t'es plutôt fait pour améliorer des trucs. Ok, on va arrêter l'épisode de VOD là, parce qu'il est suffisamment long. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, n'hésitez pas à laisser un petit message, c'est le bon moment. Je bois mon petit coup d'eau. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.